Donc les filles, c'est une bonne chose de ressentir de la jalousie. Et c'est une bonne chose de ressentir souvent de l'envie. J'ai décidé de prendre ma caméra et de faire un petit vlog. J'ai pas réfléchi à ce que je veux que ça soit. Je sais pas si ça sera un jour, une semaine, deux jours, trois jours. Aucune idée, mais je me suis dit on prend la caméra, vas-y on fait un vlog. Je voulais vous montrer un peu ce que je fais de façon réaliste tous les jours, surtout là que je travaille pas. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée le dimanche. Là aujourd'hui on est le lundi. Donc j'ai posté la vidéo hier, le 11 septembre. Vu que vous avez vu la vidéo, là, je me sens libérée d'être un peu plus moi-même, tu vois. Un peu plus honnête, un peu plus moi-même. Et sans vous mentir, vous montrer cette partie de moi-là, j'avais un peu honte. Parce que je me disais, j'ai pas envie d'être la personne... Qui m'envoie un message? Yeah, j'ai pas envie d'être la personne. Parce que j'ai l'impression que là, à ce point de ma vie, là, toutes les personnes autour de mon âge ont un peu leur vie figured out. Et ça, ce qu'ils veulent faire. Et moi, voilà, moi, Patine, qui décide de prendre de moi. Juste pour me concentrer sur mes réseaux, juste pour trouver le rythme. Et j'étais un peu mal à l'aise d'en parler. Mais je pense que honesty is the best policy. Parce que là que je l'ai dit, je me sens un peu libérée. Je peux vous dire un peu ce que je fais pour gagner de l'argent là, maintenant que je travaille pas. Et aussi vous montrer comment je fais pour chercher un peu du travail et tout. En plus de ça, on va à Hawaï dans 10 jours exactement. Je suis trop contente. Vous devez vous demander, mais celle-là, elle n'a pas l'argent. Combien ça va à Hawaï? J'ai un truc qu'on appelle credit card, ok? J'ai pour ma credit card, je vais swiper ça comme ça. La Patine du futur va payer pour ça. Donc j'ai commandé quelques trucs sur Amazon pour mon voyage que j'ai envie de vous montrer. Vous voyez des couvertures pour téléphone, pour rentrer sous l'eau là, j'ai commandé ça. En gros c'est ça, je pense que vous avez l'idée. Tu mets ton téléphone dedans, tu vas sous l'eau. J'ai utilisé mon téléphone pour vlogger sous l'eau, donc j'en ai besoin. Et ça, j'avais pris une nouvelle pochette pour mon ordinateur, c'est rose. Mais je me suis trompée, j'ai pris une pochette qui n'est pas le modèle de mon ordi. Donc j'ai retourné et j'ai déjà commandé une nouvelle. Normalement ça devrait venir aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore reçu. Mais vous pouvez voir, c'est cute, c'est leather. Et aussi j'ai commandé les lumières là. En fait tout ça c'est Marie-Dominique qui m'a fait acheter tout ça. Parce qu'elle disait, Tati on a besoin des lumières, on a besoin de temps, Et j'ai regardé et j'ai dit, ok on va acheter. On va acheter, donc j'ai commandé ça. Bon j'ai pas ouvrir, j'ai la flemme. Et j'ai commandé quoi d'autre? J'ai des sacs poubelles que j'ai depuis des années que j'ai jamais jeté parce qu'il y a des affaires que je voulais jeter mais que je n'ai jamais jeté. Mais bon, bref, j'ai acheté de la colle parce qu'il y a un de mes talons là. Je l'ai acheté sur PLT, mais le talon n'était jamais bien truc. Donc j'ai acheté de la colle et là j'ai acheté mon savon. C'est le savon Urban Airx. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà entendu parler de ce savon là. Et franchement, il est trop bien. J'en parlais dans ma skincare routine. Il est 16h, on va aller au mall. J'ai des soutifs à acheter à Victoria's Secret, donc je vais aller prendre ça aujourd'hui. Et ensuite, je vais venir avec mon ordinateur et je vais faire du montage. Et aussi, je vais appliquer, postuler pour certaines positions et tout. En vrai, j'aime pas trop ce qui se passe ici. Il y en a qui sont simples, mais... c'est gros qu'à le soir hein. Avec leur musique là. I don't like this. Hold on. En vrai, j'aime pas trop ce que j'ai vu là-bas. Donc on va aller à Victoria's Secret. Franchement, j'étais déçue parce que normalement, j'ai l'habitude d'aller prendre mes trucs là-bas aujourd'hui. J'ai rien vu de spécial. Donc on va aller à Victoria's. Ça sent bon, ça sent trop bon. Je sens l'autre. Ooh, I love this one. Ça sent trop bon. Ooh, you
filles, je suis trop contente. Je cherchais de bons sweatpants et je suis venue à Paxson. And look at them. Like, this is perfect. They have the best sweatpants. Et en plus, je suis grande, ils ne sont pas sautés. Oh my god, j'aime trop. Je pense que je vais prendre les gris là. Mais j'aurais aimé prendre les deux parce que j'aime trop le gris. Bon, après, en fait, je suis bête. Je suis juste venue pour prendre des soutifs en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, j'ai pris ça. Mais bon, de base, j'en voulais. Je voulais partir à H&M. Mais je trouve que franchement ceux-là ils sont beaucoup mieux au niveau de comment ils le vendent, ils sont beaucoup mieux. Can I please have two steak tacos and the lamb barbacoa? Two steak and one lamb? Yes. Do you want a flour or corn? Flour and no cilantro please. Thank you, 1-0. Sarah? Yes. Bonjour, je vais à la salle, je vais vous montrer ma petite routine, ce que je fais. Le bruit que vous entendez là, c'est la machine à laver, donc franchement désolée. J'ai juste préparé mes aminés acides. Ça me permet d'avoir de l'énergie à la salle, donc j'utilise ça. Et aussi c'est bon pour la récup. Une cuillerée d'amino acide et je vais venir mettre du jus dedans parce que j'aime pas avec de l'eau. Donc j'utilise juste un peu de jus d'orange. J'ajoute un peu d'eau. Oh,
HEB pick-up. Vous pouvez voir ça derrière là. J'aime bien faire ça parce que t'as pas besoin de passer beaucoup de temps in the store. Vous pouvez ma caméra là. Ça fait ça. Bref, t'as pas besoin de passer beaucoup de temps dans le store. Tu passes pas une heure à chercher tes courses et tout. Là, on met ça juste dans ta voiture. T'attends un peu 10 minutes, 20 minutes. Ils mettent ça dans ta voiture. Et then tu rentres à la maison. Et aussi, j'ai envie de mentionner que vous m'avez vu dormir à 23h et me réveiller à 5h. C'est pas comme si je fais exprès, je me dis productivité. C'est juste qu'il y a des soirs où je dors tard. Mais au final, au cours de la journée, je me retrouve à faire des siestes. Donc si j'ai pas dormi, lui là, il veut merger sur moi, mais c'est un malade! Et sur la route, je vous jure, jusqu'à j'ai oublié ce que je disais. Bref, donc je disais, si vous voyez que j'ai pas dormi mes 8 heures, je suis énervée en fait. Il voulait rentrer dans ma lane. Il me voit, genre il veut rentrer dans ma lane. Like, what the fuck? Bref, donc si vous voyez que j'ai pas dormi mes 8 heures et autres, je vais finir par faire des siestes au cours de la journée. So, yeah. Like, bro, I'm so pissed. Ok, je me calme. Ils aiment trop forcer sur les lanes. It's like. Je suis proche, mais attends un peu, attends quand je vais passer, tu vas passer. Okay. C'était quoi le point? Si vous voyez que j'ai pas dormi 8 heures, vous inquiétez pas, je les rattrape au fil de la journée ou le lendemain, je dors vite. Sinon, si j'ai pas dormi très 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 tard, je vais me réveiller à 5 heures. Si je dors avant 3 heures, ou bien si je suis très 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 fatiguée, là, je vais me réveiller. Mais sinon, si ça va, ça va quoi. I'm annoyed. Dès que je rentre, je prends mes protéines et ma créatine direct. La créatine plus les protéines, franchement, c'est un duo. Mais j'ai pas besoin de vous dire. Bon, j'ai besoin de vous dire. Bref, la créatine, ça améliore la performance musculaire. Et en plus de ça, quand je finis mes séances et que c'est intense, ça m'aide avec de recovery. Ça fait que j'ai pas autant de courbatures que j'aurais eu si j'avais pas pris ça. Normalement, ce qui doit aider avec, ce sont mes aminoacides. Mais je sais pas pourquoi, quand je prends pas ma créatine et que je finis de faire une séance qui était intense, j'ai mal partout. Pourtant, quand je prends ça, j'ai pas autant mal partout. Donc voilà, performance musculaire. Et aussi au niveau de recovery. How do you even say recovery? Ah non, non. Vous vous souvenez de ma jupe d'anniversaire là? Je l'ai portée qu'une seule fois. J'ai mis ça à la machine. And then ça arrête aussi. J'ai regardé sur Google ce qu'il faut faire. Apparemment, il faut du shampoing pour bébé. De l'eau chaude. Donc j'ai mis de l'eau chaude. Bon, de l'eau tiède. Dans ce seau là. J'ai trempé ma jupe dedans. J'ai bien trempé dedans et maintenant il faut étirer pour s'assurer de ravoir la taille initiale de la jupe. Et ce shampoing là, c'est censé ramollir le tissu et pouvoir étirer ça. Et j'espère que ça va marcher parce que waouh, je l'ai porté qu'une seule fois. Et je portais ça pour mon voyage d'Hawaï. Je pense que je vous ai dit que je vais en vacances, non? Je vais rincer et je vais sécher ça à l'air libre. Là, on va aller faire bordage. Je suis en train de sortir comme ça. J'ai pris mon petit sandwich de 16h. Et je vais y aller comme ça. Et then, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Parce que c'est l'une des façons que je me fais de l'argent. Oh, ma fille. J'imagine dans mon sac. Si vous ne savez pas ce que c'est que DoorDash, je vous l'explique rapidement avant d'y aller. C'est un service, c'est un peu comme Uber Eats. Les gens commandent la nourriture et then tu peux t'inscrire pour pouvoir délivrer et then on te paye pour ça. Si vous êtes élève international, don't do this. Ne faites pas ça. Si vous êtes élève international aux États-Unis, c'est pas légal, ok? J'avais envie de dire ça pour ne pas induire les gens en erreur parce que je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur les États-Unis.
Et je voulais pas que vous preniez exemple sur moi, dire que oh, Fatine l'a fait. Bon. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Normalement, les mardis, c'est nul. Hein. Quand vous recevez un order, voici comment ça sonne. Je viens de recevoir un order de Wingstop. 15$ pour 10 miles. Normalement, je ne prendrais pas, mais ça va. Ok, ça va parce que je me dis, moi j'essaie de faire au moins 1$, au moins 2$ par miles. Par exemple, si c'est 10 miles, 20$. Mais je sais très bien que les mardis, c'est pas vraiment bénéfique, tu vois. Donc je vais juste prendre. Et puis en plus, 15$ pour mon premier order. Like, are you kidding me? So let's go. Je pense aujourd'hui, je vais pas durer par contre. Je vais sûrement juste faire 2 heures et rentrer à la maison. Ok, je suis arrivée au Wingstop. Là, je vais récupérer. And then, I'll be right back. La boisson dans mes cup holders, sinon j'ai peur que je renverse ça. Quand je finis de prendre, je confirme ça dans l'application que j'ai pris et ensuite je vais déposer ça chez elle. Waouh, elle a 17 minutes ici, so let's go. Hey, can I get out of here please? When I land softly on the sofa floor. Sofa so good. Je viens tout juste de déposer dans la nourriture. La première fois que j'avais déposé dans l'application, ça disait appartement 2305. J'ai reçu un message qu'elle avait changé l'adresse et il y avait, c'était juste, elle avait juste rajouté le gate code. Et l'appartement c'était 2305, tu vois. Et là maintenant, je dépose la nourriture, elle m'appelle et me dit non, c'est pas 2305, c'est 8107, le numéro de l'appartement. And I'm like, dans l'appartement ça disait 2305, I'm not gonna make that up. Mais je suis allée chercher, puis je suis allée redéposer, je transpire comme ça. Give me some moment, I'll be right with you. All right. Sorry about the way, what can I get for you? I'm just picking up an order for... Alright, go ahead and pull up. Thank you. Je te dis je t'aimais pas tout le temps. Ça veut pas dire je t'aime plus. Mmh. Wow. Do you have the order, Yes. Mm-hmm. Thank you. You too. Je suis censée aller prendre un autre order au KFC, mais je sais pas où est le KFC. C'est derrière moi ou c'est où? Parce qu'apparemment c'est à ma gauche, mais à ma gauche c'est le Taco Bell. J'espère qu'il y a un drive-thru, j'ai pas envie de descendre. Yes, there is a drive-thru. Let's pick this one up. Hi, I'm just picking up an order for... Okay, four. Thank you. Je suis de retour à la maison, je suis sortie il y a 2 heures. Je pense qu'il était 17h30.
7h40 et là il est 20h, donc peut-être 2h quelques minutes. Et j'ai fait 38$. Franchement, c'est pas mal, surtout pour un mardi, c'est pas mal du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me doucher rapidement, manger et puis faire un tout petit peu de montage. Est-ce que je vous ai dit, même quand je suis venue aujourd'hui et que j'ai fini la salle, j'ai dormi comme du n'importe quoi. Je me suis douchée, j'ai dormi pendant 3 bonnes heures. Toutes les heures que j'ai pas fait hier, j'ai tout rattrapé. Donc aujourd'hui, je vais m'assurer de dormir à 21h pour que je puisse me réveiller à 5h et que j'ai mes 8h de sommeil et tout. Donc voilà. Vous avez vu trop de moi aujourd'hui. On va se retrouver demain. Bisous. Là, je me prépare à sortir, je vais aller au mall, me prendre des lunettes de soleil et aussi je vais prendre des hauts un peu basiques. Donc je vais me préparer et j'avais envie de parler de la jalousie, de l'envie et aussi de la comparaison, you know. C'est un sujet que j'ai dans la tête depuis longtemps, dont je n'ai jamais vraiment parlé. Et je profitais de ça là, de moi en train de m'apprêter pour en parler. Ça sera un truc très rapide, je ne vais pas traîner ici parce que je dois sortir dans 15 minutes. So let's do it. Je pense que si on commence par avouer que la jalousie, l'envie et la comparaison, c'est pas des mauvaises choses, ce sont juste des sentiments. Je pense qu'il y a plein d'entre nous qui vont se sentir un peu mieux about themselves. Parce que je sais que tout le temps, quand on parle d'une personne, on dit oh, cette personne-là, elle est jalouse, elle est envieuse, elle est tant, c'est de façon négative, you know. Et moi, je pense que c'est pas des choses à villainize. Comment on dit villainize? À viriliser, je sais même pas si c'est le mot, bref, c'est pas des émotions qu'on devrait voir comme négatives et tu vois, juger les personnes qui ont ces émotions là, parce que j'ai envie de vous dire que tout le monde a ces émotions là, c'est pas un certain type de personne, des mauvaises personnes qui ont ce genre de sentiments là, c'est tout le monde qui a ces sentiments là. Et quand je vois que les gens parlent de la jalousie comme si c'était le démon, ça me fait me dire que mais non, en fait, c'est pas forcément le démon, ce sont des émotions, ce sont des signaux. Par exemple, tu vois, quand t'as mal à la tête, tu peux te dire non, moi je peux pas être une personne qui a mal à la tête. Ça te définit pas le fait d'avoir mal à la tête, c'est juste un symptôme qui pourrait te dire ah voilà, peut-être que t'as pas assez dormi ou t'as mal aux yeux. C'est un symptôme. Pareil pour les émotions. Quand tu as une émotion et que tu te sens envieuse de quelque chose, c'est juste pour te dire que voilà, il y a quelque chose que tu as envie d'avoir que tu n'as pas. Par exemple, je vais donner l'exemple le plus simple, les réseaux sociaux. Ils sont en train de d'arranger la route, le parking à l'extérieur là, et ça fait beaucoup de bruit. Ah, ça me saoule. Je vais essayer de parler fort pour que vous entendiez. Je suis sûre que vous entendiez, mais bref, donc je disais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est source de beaucoup d'anxiété, de beaucoup de comparaison, de jalousie et d'envie pour certaines personnes. Mais souvent, quand tu vois par exemple une personne, sa best life sur Instagram, tu vois une personne vivre sa best life sur, je sais pas, YouTube et tout, et que tu te sens jalouse de la personne, c'est pas forcément que t'as envie d'être dans des jets privés ou bien t'as envie de, je sais pas, d'aller en boîte de nuit tous les soirs et autres. C'est juste que peut-être que tu veux la stabilité financière que la personne a pour pouvoir se permettre de faire tout ça, tu vois. Souvent, c'est pas l'acte en lui-même que tu veux. Souvent, c'est pas ce que la personne a exactement que tu veux. C'est quelque chose d'autre qui est caché derrière. You know what I mean? Et je pense que à vouloir represser les sentiments qu'on a, les sentiments d'envie ou de jalousie qu'on a, on les rend pire. On les rend pire parce qu'on commence à se dire oh non, moi je peux pas être jalouse. Non, je vais pas me comparer aux gens. It's like
Moi, je dis ça, j'ai dit ça plusieurs fois. Hein. La comparaison, c'est pas une mauvaise chose. La comparaison, la jalousie, ça t'aide à avancer. Quand tu es jalouse, quand tu veux quelque chose et que tu réfléchis vraiment aux sentiments que tu as, tu essaies vraiment de penser à pourquoi je me sens comme ça, je vous promets que ça vous aide à avancer. Parce que si tout va bien, tout va chez toi et que tu te dis non, moi, tout est parfait chez moi, mais please, dis-moi comment est-ce que tu vas avancer en fait. Souvent, tu peux utiliser ce genre de sentiment-là et ça va te pousser à un point où tu n'imaginerais pas en fait. Et je pense vraiment que le fait de repress ce feeling-là, ça les rend pire. Le fait de se dire, oh non, moi, je peux pas être jalouse. Oh non, moi, je peux pas être, tu vois, envieuse. Moi, je peux pas être, je peux pas me comparer aux gens parce que, voilà, c'est le pire des défauts. Ça rend ça beaucoup pire et ça t'aide pas à avancer parce que tu refoules tes sentiments au lieu de les regarder en face et se dire, oh, c'est quoi mon problème? Est-ce que mon problème, c'est que je suis jalouse sans raison? Ou mon problème, il est un peu plus profond que ça. Et je vous promets que 9 fois sur 10, il est beaucoup plus profond que ça. Et si vous ne prenez pas ça en main et que vous n'essayez pas de comprendre ce qui se passe, vous n'allez jamais avancer parce que vous allez tout le temps essayer de refouler, repress. And honestly, it doesn't work. It doesn't work. Really, really doesn't work. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de bien réfléchir et peut-être en faire une vidéo. Mais c'est un peu le tout de ma pensée qui est là, quoi. Donc quand vous vous comparez, au lieu de tirer du négatif pour dire « Oh, celle-là, là, ça, moi, je n'ai pas ça. » Faut pas se dire ça, faut juste se dire « Oh, voilà, genre, pourquoi je me sens comme ça ?» En vrai, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est juste la vie de Louga, quelle vie là que je veux? Ou bien c'est la stabilité là, c'est la stabilité qu'elle a que je veux? Quand tu vois quelqu'un, une fille qui est belle, et tu te dis, oh, je suis trop jalouse du fait qu'elle soit belle. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'attention que tu veux? Ou c'est juste parce que tu as envie d'être belle? Et un truc que j'ai envie de dire souvent, là, on n'est pas moche. Hein. C'est juste que tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas te coiffer et tu ne sais pas te maquiller, c'est tout. Sinon que, nous tous ici, on peut dire que, oh, c'est pas trop ça. But, le fait d'apprendre à s'occuper de soi-même, je vous promets que ça change la façon dont les gens vous regardent. Un truc que je dis tout le temps, façon tu te donnes, c'est comme ça on te prend. Si tu te fais façon, les gens vont te prendre façon. Donc apprenez à prendre soin de vous. Donc la prochaine fois que tu te sens jalouse, que tu as l'impression que voilà, genre il y a quelque chose que tu veux et que tu commences à te sentir mal, rappelle-toi que c'est juste un signal. Par exemple, si tu as mal à la tête aujourd'hui, je vais te dire, moi je peux être le genre de personne qui a mal à la tête. Je peux être le genre de personne qui a mal au ventre. Tu vas te dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir ce qui se passe, right? Pareil pour la jalousie, l'envie. Ce sont des signaux, tout comme par exemple les nerfs existent pour une raison. Si tu mets ta main au feu et que ça commence à brûler, si tu n'avais pas de nerfs, tu saurais pas que tu étais en train de brûler ta main, tu vois. Et ça te permet d'enlever. Pareil aussi pour les émotions. Parce que tu ressens de la jalousie, tu peux travailler pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est quelque chose à considérer. C'est pas des émotions à se dire, oh non, je peux pas me sentir comme ça. C'est pour les démons. Non. C'est pour tous les humains. Tout le monde sent de la jalousie. Tout le monde sent de l'envie. C'est juste qu'on traite ces sentiments-là différemment d'autres personnes qui sont peut-être maladives quand il en vient à la jalousie et autres. Mais tout le monde ressent ça. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes envieuse de quelqu'un, pourquoi est-ce que vous êtes jalouse de quelqu'un pour pouvoir avancer dans la vie. Et je vous promets que la jalousie saine hein, et l'envie saine, ça va vous avancer à un point, vous pouvez même pas l'imaginer. Si vous l'utilisez bien, ça va vous permettre de vous avancer. Et aussi, complimenter les gens plus souvent. Vous allez voir que ça va descendre votre cœur un peu. Parce que souvent, il y a quelque chose que tu vois, ça te plaît. Ton cœur est serré comme ça. Parce que tu n'as pas envie de dire. Donc ça te rend jalouse parce que tu te dis, ouh, celle-là vraiment genre, j'aime beaucoup comment elle fait tant. Mais comme tu n'as pas envie de lui dire que là j'aime beaucoup comment tu fais ça. Et ton cœur est serré comme ça. Tu as envie de déjà. À chaque fois que tu vois la personne, ton cœur est chaud. Pourtant si tu lui as dit que, oh, j'aime comment tu t'habilles, j'aime tes chaussures. Ou bien j'aime comment tu parles, je sais pas, un truc bête. Ton cœur va descendre parce que la personne va te sourire, la personne va te dire merci, oh c'est comme ça que je fais. Et puis c'est fini. Mais c'est sur ton cœur comme ça. Tu peux pas dire à la personne que, oh, j'admire comment tu fais si tant. Oh girls, it's okay. It's okay si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez jalouse. It's okay. Je pense que c'est le point que j'essaie de faire depuis. It is okay. Donc les filles, c'est une bonne chose de ressentir de la jalousie. Et c'est une bonne chose de ressentir souvent de l'envie. Ce qui n'est pas bien par contre, c'est ce que vous en faites. Ce qui n'est pas bien, c'est d'ignorer comment on se sent. Ok, je vais mettre un parfum.
fin, c'est celui-là, c'est de Replica and c'est le coffee break. C'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis prête, je vais sortir là maintenant. J'ai envie de vous montrer comment je suis habillée, mais je pense que mon miroir not gonna do it justice. Donc peut-être que quand j'arrive au bol, je vais vous montrer. AMJ. Hold up.